C'est par cette entrée triomphale dans la cité de Kamana-Menga, chef-lieu du secteur de Bekalebwe, que le député national, l'honorable Dieudonné Mpochibambe, affectueusement appelé Tshatsheba Kenge, a été accueilli comme un prince par une marée de foule humaine lors de sa visite parlementaire passée du 1er au 20 octobre 2021 dans le territoire de Lubao. L'homme, dont la popularité n'est plus à démontrer comme l'éprouvent ces images, avait fait un don de 500 tôles et 100 sacs de ciment à la population de la cité de Kamana-Menga pour la construction de sources d'eau potable et d'un grand marché moderne. L'honorable Dieudonné Mpochibambe au micro de Moïse Lubo. Je remercie les papas et mamans ainsi que toute la jeunesse de Kamana. Vous avez montré à la face du monde que je suis arrivé chez moi. Badiane, je voudrais que vous puissiez bien m'entendre. Fumu Yombo a décrété la vision de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'est pas un parti politique. C'est une vision. Ma vision à moi, c'est de servir. Badiane, moi je ne peux pas vous amener un discours que je parle de parti de ce sujet. Voyez-moi, nous sommes un peu, je suis un peu. Nous sommes les plus grands un peu. Qu'est-ce qu'un peu je fais à Kamana? Qu'est-ce qu'un peu je fais à Timabé? Qu'est-ce qu'un peu je fais à Lerumba? Moi, je ne suis pas un député de discours, je suis un député des actes. Je suis un député des actes et des actions. Il y a même une fiche. Madame, la fin de l'homme de la Chine. Nous allons étudier Nabano, étudier à quoi marche. Tu n'as pas de mal à faire un balance. Tu l'as à tout le tu ça. Tu l'as bénis, tu as prié, tu as ibata na mouche, tu as ibata na mouche. Tu as ibata na mouche. Wande wangi na ou. Lwa kwa mba, shiba ibata ile mem. Nisule kini ibashal. Sima yi kwa anka, tu as ibata ibashal anu. Tu ibata. Vela ma vizion anu. Vizion anu poshkubani. Je leur donne 500 tonnes de tout le monde. Je ne connais pas.
Parmi ces activités menées sur place dans la cité de Kamanamenga, l'on note la distribution de plusieurs pagnes aux femmes de troisième âge ainsi qu'aux personnes vivant avec handicap, la distribution des Bibles et autres aux pasteurs et évangélistes des différentes églises de la place. Après cette étape, l'homme au cœur compatissant avait rendu visite aux malades de l'hôpital général de Kamanamenga auquel il avait laissé une enveloppe consistante pour payer leurs factures. Merci beaucoup, monsieur l'honorable de la visite. C'est aux installations du site où sera érigée une maternité moderne sur son fonds propre dont les briques cuites sont déjà disponibles, que l'homme aux actions palpables et visibles, l'honorable Dieudonné Mpochibambe, boucle avec joie cette visite parlementaire passée à Kamanamenga. Le domaine des explications que vous nous avez données vont tout droit à notre cœur. Si nous avons pensé de vous appuyer en érigeant aussi un bâtiment, c'est une contribution. C'est ça. Dans le cadre toujours de la population. C'est ça. Moi, je suis dans la population. Merci. Je sais que vous n'avez pas de partenaire, vous en aurez. Merci beaucoup. Parce que juste quand nous terminons la construction, et vous verrez que ceux-là autrefois qui voyaient ailleurs Merci. Vont regarder aussi ici, Merci. Et vous aurez ces financements-là. Merci beaucoup. De ma part, j'ai compris. Merci. Je suis un homme qui ne fait pas de promesses. Je comprends bien qu'il y a un problème d'échographie. Merci beaucoup. Bon, c'est un grand souci. Vous ne pouvez pas vous déplacer, aller à Kipusha ou à Kabinda. Donnez-nous le temps. Autant, je sais qu'il y aura la solution pour ça. Merci beaucoup. Notez que grâce au député national Dieudonné Mpochibambe, la population de Kamanamenga est déjà bénéficiaire des 5 sources d'eau potable et des santol à l'Institut supérieur pédagogique ISP Kamana pour la couverture de la toiture de cette institution. Suivez les réactions de la population de Kamanamenga. Rappelons que c'est pour la première fois dans le secteur de Bikalebwe depuis les élections de 2006 qu'un député national apporte un soutien matériel et financier à la population de ces coins du pays pour un développement durable et palpable. Dossier à suivre dans les autres villages.